Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la question du travail et du management du télétravail et du bien manager à distance. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez faire un petit message dans le chat, voir si vous nous entendez bien. Est-ce qu'Emmanuel, tu m'entends bien? Alors, on a. Oui, on t'entend, Oui, Guillaume. ok. Parfait. Je vous remercie à tous et à toutes d'être présents. Ce que je vous propose donc, c'est de lancer ce webinaire. Hop là. Donc, on se donne 30 minutes ensemble pour parler des bonnes pratiques sur la question du management, management efficace dans le contexte de télétravail. Vous allez voir dans ce séminaire qui va durer une trentaine de minutes, on va aborder plusieurs éléments et on veut faire quelque chose de très interactif et très pratico-pratique. Donc, vous allez voir, il y a cinq grands points qu'on va vous présenter et cette présentation va être animée par moi-même, Guillaume Vidal, directeur de Vaelia, et Daniel Mouclier, cofondateur et partenaire légal à Legal e-Service, qui nous accompagne sur la question du télétravail, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Voilà. Et Emmanuel, c'est juste pour te présenter rapidement. Oui, très bien, merci. Merci Guillaume. Donc bonjour à tout le monde. En effet, le sujet du télétravail, non seulement par un effet d'actualité, mais par un effet véritablement d'évolution de nos entreprises, est aujourd'hui au cœur des débats. Hein, le but du jeu de ces 30 minutes, ce n'est pas de faire du théorique, mais de partager avec vous les expériences que l'on a eues autour du télétravail, sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, nous accompagnons un certain nombre de sociétés. Expérience et aussi courbe d'apprentissage, parce qu'en effet, il y a un apprentissage à faire pour pouvoir s'emparer, ou dominer, ou pouvoir utiliser au mieux, en tout cas optimiser le télétravail. Parfait. Donc, je vais reprendre la main un petit peu. Déjà, détruire une vision ou un peu revenir sur ce qu'on a vécu ces derniers temps. On a beaucoup dit que les gens avaient fait du télétravail pendant la période du Covid, de la Covid-19. Je suis désolé de dire qu'en fait, ce n'était pas du télétravail, c'était du travail à distance. C'est-à-dire que le travail n'était pas organisé et planifié pour être du travail, du télétravail. Donc, ça, c'est le premier point. Mais on s'est vu que dans beaucoup d'entreprises, ça a accéléré cette notion de d'utiliser des outils et être en dehors de son lieu de travail pour travailler. Donc là, vraiment, c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer, qu'on va appuyer sur notre réflexion et qu'on va se dire que si dans le futur, des crises sanitaires nous obligent à être reconfinés, ça c'est le premier point, on sera préparé, on aura mis en place une stratégie de télétravail. Ça c'est le premier point. Et deux, culturellement, les collaborateurs vont être beaucoup plus en demande de ce type de travail à distance et qu'on va organiser pour devenir du télétravail. Voilà. Un petit peu des points justement sur ce que les collaborateurs et les équipes des RH disent sur cette question-là. C'est qu'on a jusqu'à 48% des salariés qui se disent passer intégralement en télétravail. C'est un chiffre énorme. Par rapport à inversement à 22% des DRH qui sont prêts à mettre ça en place. Alors, ce que le sondage ne dit pas, c'est est-ce qu'on parle de télétravail complet, mais quand on dit complet, c'est 100% ou ponctuel. Voilà, on n'a pas l'information. C'est un sondage qui a été fait en France et en Espagne, deux cultures qui sont un peu différentes au niveau du travail. Mais les chiffres sont quand même très importants sur les gens qui sont prêts à basculer sur ce mode de travail, distanciel. Alors, il y a deux questions qui se reportent sur la question du télétravail, du travail à distance quand on se lance sur ce projet-là. Le premier, il est d'ordre lié à l'économie et à la structure de l'entreprise. C'est Allô? la performance qu'on peut avoir par rapport à l'entreprise. Comment je fais pour pouvoir assurer la même performance que quand j'étais dans mes locaux? Ça, c'est le point clé. Et ensuite, les bonnes conditions de travail. Est-ce que tout cela va se faire dans de bonnes conditions? Donc, à la fois un enjeu sociétal, la qualité de vie au travail, et un enjeu pour l'entreprise, la performance. Allô, allô. Donc le management là-dedans, le manager qui tous les jours accompagne son équipe en présentiel,
doit aujourd'hui redéfinir un périmètre d'action sur sa mission et vraiment travailler sur la notion d'appartenance et d'engagement qui vont être les clés d'un bon télétravail. En tout cas, c'est la croyance et les convictions que nous, on a chez Valia avec Emmanuel, c'est que c'est vraiment les points clés pour pouvoir transformer cette nouvelle méthode de travail en quelque chose d'efficient et qui donne du sens. Pour pouvoir mettre ces points en application, ce sentiment d'appartenance et consolider l'engagement des collaborateurs, on va vous présenter cinq règles, hypothèses, outils qu'on a testés et qu'on a évalués avec Emmanuel, sur lesquels on a eu déjà des bons retours, pour que vous puissiez avoir quelques règles pratico-pratiques à mettre en place très rapidement dans votre entreprise. Emmanuel, je te laisse la main. Très bien, merci. Avant que d'ouvrir sur la première bonne pratique qui est, on va employer le terme des bonnes pratiques. Et on va être très humble. Ces bonnes pratiques, on les a vues émerger au fur et à mesure de ces dernières semaines particulièrement. Certaines d'entre elles peuvent paraître contre-intuitives. On s'est nous-mêmes heurté à des croyances personnelles ou des éléments de bon sens qui nous faisaient penser que le télétravail devait se passer ou s'organiser d'une certaine façon, et on s'aperçoit que ben, ce n'est pas forcément toujours le cas. Je reviens sur une chose qu'a dit Guillaume. Télétravail, on peut mettre beaucoup de choses là-dedans. Est-ce que c'est du travail à domicile? Est-ce que c'est du télétravail à temps partiel, à temps complet? Est-ce que quand je vais dans un cowork à côté de chez moi parce que je ne peux pas aller à l'entreprise, c'est aussi du télétravail? Oui, c'est du télétravail. Et en fait, l'idée est de se dire qu'on raisonne sur une notion de travail flexible. Que je sois dans les locaux, que je sois chez moi, que je sois en déplacement, que je sois dans un hall d'hôtel parce que je suis commercial ou que je suis un collaborateur nomade, dans tous les cas, je vais être amené à utiliser des pratiques et des outils et des modes d'organisation de télétravail. Mais de la même façon, lorsque je suis dans une grande entreprise qui a des implantations à différents endroits dans le pays ou même un immense campus, si la personne est à 2 km de moi au bâtiment B et moi je suis au bâtiment C à l'autre bout du campus, eh ben on est aussi en télétravail. Donc la notion de télétravail, elle est, je dirais, elle est flexible et elle est protéiforme. La première chose que l'on note, et puisqu'on parle de management, c'est que les managers ont dans notre esprit un rôle central à jouer sur l'adoption, la mise en place, le déploiement du télétravail. Comme disait Guillaume, le job aujourd'hui du manager, il en a déjà pas mal, mais il en a un nouveau, c'est recréer un sentiment du nous, de l'équipe. C'est quoi l'équipe aujourd'hui lorsque les gens sont répartis à différents endroits, ne sont pas sous le même toit, ne sont pas dans les mêmes bureaux. Et la première chose qui est fondamentale, eh bien, c'est de mettre tous les gens de l'équipe. Et là, je vais raisonner en termes d'équipe. Je ne suis pas en train de parler de direction d'entreprise. C'est une équipe, un manager et un service. Eh bien, c'est de mettre tout le monde d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire de télétravailler. Et sans vouloir employer des termes très pompeux, l'idée derrière, c'est peut-être de créer, de construire, manager et collaborateur, une charte de télétravail qui va permettre à tout le monde d'avoir la même compréhension. Parce que quand on est en télétravail, quand on est en confinement, eh bien, il y a des repères très humains, très quotidiens que l'on perd. Le lieu, la machine à café, les gens avec lesquels j'échange, ma place de parking et tout ça. Donc, il y a une vraie nécessité de recréer des repères qui soient communs à toute l'équipe. Et ça commence par se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va organiser les journées, la semaine de travail. Et je ne vais pas vous parler de trimestre, de mois. Non, non, des choses très, très court terme. C'est comment est-ce qu'on organise la semaine de travail, qui est présent, qui est absent, à quelles heures on est joignable, parce qu'on parlera aussi du partage entre temps de vie professionnelle et temps de vie personnelle. Donc, première chose, c'est on organise comment la semaine. En fait, c'est les horaires de bureau, mais vu au moment du télétravail. Mais tout le monde doit se mettre d'accord et tout le monde doit partager cette vision. Deuxième chose, à quel moment on est joignable? Est-ce que la pause déjeuner est quelque chose d'intangible?
On voit, hein, quand on regarde des statistiques, que pratiquement la moitié des personnes en télétravail oublient de prendre une pause déjeuner. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, d'ailleurs je pense que ce n'est pas une bonne chose. Eh bien, il faut se mettre d'accord. Quelles sont les bonnes règles de vie? Comme on a des bonnes règles, une certaine étiquette de vie au travail, eh bien, on doit avoir une certaine étiquette de vie au télétravail. Troisième chose. Pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, on est vraiment sur repositionner les règles qu'on pouvait avoir dans l'entreprise, dans le monde du travail, dans le monde du télétravail. Et c'est bien parce que ce sont des choses qui nous sont familières. C'est simplement le cadre, le terrain de jeu a changé, les règles sont toujours les mêmes. Troisième chose, parce qu'on est en télétravail, la notion de partage de l'information, comment on fait circuler des mails, comment on s'appelle, est-ce qu'on utilise des outils de conversation simultanée? Eh bien, il faut se mettre d'accord pour éviter d'engorger les canaux de communication, de balancer des mails dans tous les sens. Peut-être que ça sera intéressant d'avoir des outils de partage de documents. Donc, il faut se mettre d'accord sur comment on va créer et partager cette information. Et quatrième et dernier point, on est une équipe, même si c'est une équipe virtuelle, eh bien, il faut se mettre d'accord sur quels sont nos interlocuteurs à l'extérieur avec lesquels on va aller communiquer. Donc, ce petit cadre très simple que l'on voit ici, eh bien, il s'agit, plus il est simple, plus il est facile à utiliser, mais il faut que toute l'équipe, et ça, c'est vraiment le rôle du manager, eh bien, le formalise. Et le formalise en engageant les collaborateurs à pouvoir donner leur point de vue pour arriver à ce que j'appellerais une charte du télétravail partagé. Donc, ça, c'est vraiment une première bonne pratique. Ça peut être dans des grosses sociétés quelque chose de très élaboré, mais il n'y a pas que les grosses sociétés qui télétravaillent. Vous avez des petites startups peuvent télétravailler, des PME peuvent télétravailler. Dans tous les cas, il faut avoir un minimum de règles en commun pour éviter ce qu'on appelle la Zoom fatigue. Mon patron m'appelle à n'importe quelle heure ou j'ai 10 réunions Zoom à gérer dans la journée, je passe mon temps à ça. D'accord? Donc, cette première chose, cette première bonne pratique est vraiment, je dirais, celle-là, je l'inscrirais volontiers dans le marbre, c'est créer un cadre, une charte du télétravail pour l'ensemble de l'équipe. Donc, voici la première bonne pratique. Première bonne pratique avec les quatre points clés. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est très facile à mettre en place. Quelque part, c'est un tableau et vous remplissez avec ce que vous avez choisi avec votre équipe. On va aller sur le point numéro 2 qui, pour moi, un des plus intéressants dans le sens que ça, comme l'a dit Emmanuel, ça change notre paradigme et ça nous enlève de nos habitudes. Alors, en effet, si le slide veut bien se donner la peine d'arriver. Voilà. Deuxième chose, alors ça, pour le coup, ça peut paraître très contre-intuitif, mais on l'assume. L'idée de travailler avec des to-do list entre collaborateurs dans une équipe, il y a beaucoup de bouquins de management qui nous en parlent. Eh bien, la to-do list a un premier impact, c'est que c'est désespérant. Quand j'ai une to-do list devant moi, ça a plus tendance à me déprimer, je ne sais pas très bien par quoi commencer. Et n'apparaît pas dans une to-do list forcément la notion de priorité. Alors, je propose de faire un petit retour arrière sur la bonne pratique numéro 1. Quand on a parlé de charte de télétravail, ça veut dire que quelque part, on a fait émerger ou on a remis au goût du jour un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs de l'équipe au sein d'une entreprise. Quelles sont les missions de notre service? Pourquoi notre service existe? Pourquoi nous sommes-nous en train de faire un travail d'équipe? Quels sont nos objectifs? À partir de ça, il y a une chose à ne pas oublier, c'est ce sont les valeurs de l'équipe et les valeurs de l'entreprise, mais il y a aussi les valeurs personnelles. Il faut que je puisse me sentir à l'aise dans cette idée que je travaille dans une équipe. C'est important pour moi de savoir que je vais pouvoir gagner du temps sur le temps de transport et peut-être que ça va me permettre de me libérer du temps personnel, voire aussi de travailler plus. Les deux sont valides, mais j'ai besoin, moi, en tant qu'individu, de pouvoir préserver ma vie personnelle. J'ai besoin de me sentir à l'aise dans ce cadre pour me dire, OK, il y a des valeurs d'équipe, des objectifs d'équipe, et moi, dedans, j'ai ma pleine expression, parce que la notion de qualité de vie au travail, on le sait, est très importante, elle est en filigrane de tout le débat sur le télétravail. À partir de cette définition des valeurs et des objectifs, on va pouvoir raisonner en priorité qu'est-ce qui doit être absolument fait cette semaine ou qu'est-ce qui doit être absolument fait aujourd'hui. Pouvoir se fixer ses priorités de manière très quotidienne, non pas avec un effet tunnel, dans 6 mois, je dois avoir fait ça,
Non, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois être sûr d'avoir réalisé? Ben, ça aide et le manager et les collaborateurs à avoir une espèce de reporting très automatisé, très fluide et très quotidien. Beaucoup des choses que l'on entend autour du télétravail, c'est ben, mon manager, maintenant, vu qu'il ne me voit plus, passe son temps à me demander du reporting et donc je perds un temps infini là-dessus. D'accord? Donc, quand on a un système de valeurs de l'équipe et des personnes au sein de l'équipe, les priorités deviennent plus évidentes. Et troisième et dernier point, les routines. Et je dirais, c'est l'élément fondamental en télétravail, mais pas que en télétravail, en vérité, dans le travail dans l'absolu. Alors, le terme routine est très souvent mal connoté, mais comprenez bien, les routines, c'est ce que je fais tous les jours par réflexe, sans même y penser. Je me lève le matin, ben, je vais boire un café et acheter le journal du matin. Et c'est ma routine du matin, je le fais sans y penser. Ça me permet, c'est mon petit rituel qui me permet de me mettre en place. Et en fait, la routine, c'est des choses qu'on fait par automatisme et qui ne nous n'ont pas de charge mentale. On les fait simplement sans même y penser et c'est simple. Eh bien, l'idée en télétravail, c'est de pouvoir adopter un certain nombre de routines liées à notre mode de travail. C'est par exemple, je ne vais pas commencer à ouvrir les mails avant 9h30. Alors qu'en général, la première chose que l'on fait tous, c'est on va ouvrir tout de suite les mails et puis il y a une sollicitation de droite et de gauche et je me disperse. Non, non. D'abord, peut-être que je fais une chose toute bête, c'est je regarde mon agenda, mon Outlook ou autre type d'agenda, je regarde, je visualise ma journée, ce qui va me permettre de m'ordonner, ça va me donner un cadre et autant plus cet agenda, il est partagé, c'est un cadre que nous partageons tous dans l'équipe. Et après, ça c'est ma première routine, c'est je regarde et je visualise ma journée et après je vais, routine numéro 2, aller voir les mails ou consulter les outils de veille pour savoir ce qui s'est passé sur mon marché. C'est tout bête, c'est du bon sens, mais on s'aperçoit que de mettre en place des routines comme ça permet de faciliter, de dédramatiser et d'éliminer la charge mentale de ben, maintenant j'ai des nouveaux outils, j'y suis pas habitué. Donc c'est une manière de se donner du confort dans le monde du télétravail puisque nos repères sont en train d'évoluer. Et si je rajoute la notion de confinement, on a en plus des éléments de stress extérieur. Donc l'idée là, c'est de se donner du confort pour pouvoir, je dirais, être productif avec une efficacité et une moindre charge mentale. Donc voilà Et le deuxième point. Il est très personnel à chacun, mais ça vaut le coup au sein d'une équipe, eh bien de regarder comment est-ce qu'on peut le faire. Et un des bons exercices que l'on fait souvent en entreprise, c'est qu'on dit aux gens, bah, écoutez, prenez votre agenda des 2 derniers mois. Et redécoupez votre agenda. Et là-dedans, ben, ce qui va émerger, c'est en fait vos priorités. Simplement, le fait de le visualiser va nous aider. Et puisqu'on est en télétravail dans un univers un peu virtuel, ça va nous aider à avancer. Voilà pour la deuxième bonne pratique. Je rappelle, hein, que vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser des questions. Et je propose, c'est que à la fin, on fait une session de 10-15 minutes pour essayer de répondre aux questions auxquelles on peut apporter une réponse. On part sur la pratique numéro 3, mais je voulais quand même rebondir sur la notion de rituel, on va dire. C'est quelque chose qui est très important aussi pour c'est un peu comme l'échauffement du sportif, pour se préparer à rentrer en action dans l'entreprise et même pour en sortir de ce moment de travail. Quand vous allez être en travail à distance ou en télétravail, on utilise la sémantique qu'on veut, là-dessus, la routine permet de fermer la bulle personnelle pour entrer dans la bulle professionnelle et refermer la bulle professionnelle pour entrer dans la bulle personnelle. Ça permet de couper les temps et c'est quelque chose qui est très important. Comme un sportif qui s'échauffe, les routines permettent de se préparer à rentrer dans ce moment de travail, quel on va être dans notre bulle de travail, même si on est dans un espace qui n'est pas celui habituel. Je laisse la Alors, main à Emmanuel sur la pratique numéro 3. j'espère que le séminaire va pouvoir durer 2 heures parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Troisième point, vaste sujet, les réunions. Alors, la question des réunions, la réunionnite, le nombre de gens qui se plaignent parce que, indépendamment du télétravail, ben écoutez, j'ai passé X heures cette semaine dans des réunions où j'étais invité, je ne savais pas très bien pourquoi j'étais là, mais bon, j'étais dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui s'étudie, qui se travaille, qui s'optimise et qui devient encore plus criant en réunion de télétravail parce qu'il va falloir convoquer les gens, ça va générer des mails, des retours, des rebonds dans tous les sens. Et puis, si la réunion ne m'intéresse pas, bah, je vais faire comme beaucoup de gens, bah, je vais jouer à Candy Crush à côté,
je vais traiter mes mails. Donc, le temps d'attention des gens lors des réunions, bah, il est très variable, hein, pour être politiquement correct. L'idée, là aussi, c'est de continuer sur cette idée de rituel ou de routine. Et en télétravail, c'est quelque chose de très sain. Et vraiment, on s'inspire aussi beaucoup des méthodes agiles qui viennent du monde du développement, du monde de l'informatique, pour se créer ces routines. Et la première, c'est le matin, petite réunion systématique, immuable, à la même heure, avec le même agenda, où toute l'équipe se retrouve. Ça doit durer 20 minutes. Et c'est, voilà, on va traiter tout ce qui doit se passer dans la journée. Peut-être un petit rappel des problèmes qu'on a eu le jour d'avant. Ça permet d'aligner tout le monde sur le déroulement du jour qui vient. D'accord? Petite réunion courte, agenda simple. Si derrière, il y a des choses qui doivent générer une réunion extraordinaire, eh bien, OK, c'est autre chose. Là, je parle vraiment de routine et de rituel. Donc, tous les matins, le daily meeting, c'est le Zoom, le GoToMeeting, peu importe l'outil, mais c'est un point de synchronisation de toute l'équipe. Et accessoirement, ça renforce l'idée ou le sentiment qu'on fait partie d'une équipe. Et toutes les semaines, fin de semaine, la petite réunion de rétrospective, alors là, on n'est pas sur des formats de 20 minutes. Quand je dis 20 minutes, c'est que je pense à une équipe de 7-8 personnes. Si on est 15-20, ben, il faut voir exactement comment on doit gérer ce temps-là, hein. Prenez-le de manière très pragmatique. La réunion de rétrospective à la fin de la semaine, ben, c'est un retour arrière sur ce qui s'est passé pendant la semaine, quels sont les travaux en cours, quels ont été les problèmes rencontrés. Donc, il y a une idée derrière de pouvoir boucler la semaine ensemble. Rappelez-vous qu'on est une équipe, même si on est dispersé. Deuxième chose, ça permet à tout le monde de suivre les progrès. C'est une manière, je dirais, efficace et beaucoup plus agréable de faire les reportings. Et il y a une notion aussi derrière de progrès continu. C'est une heure de rétrospective, 3 quarts d'heure, 1 heure grand maximum. D'accord? Mais ça réaligne tout le monde en fin de semaine et on peut partir en week-end l'esprit détendu. Donc voilà la troisième bonne pratique vraiment forte, hein, qui a lieu, qui a trait à toutes ces bonnes pratiques, c'est de l'organisation et c'est de la performance et de la productivité. Mais il y a la dimension humaine qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que ça, c'est vraiment des rôles du manager et le télétravail le met encore plus en évidence, hein, c'est la dimension humaine. Et donc, ce qui nous amène à la quatrième bonne pratique qu'on a identifiée comme un des piliers, voilà, c'est ben c'est bien, on a des rituels, on a des routines, check du matin, daily meeting, les réunions occasionnelles s'il y a des besoins, mais c'est, hélas, on est sur la dimension humaine. Beaucoup de gens disent, et on le voit, il y a toute une littérature là-dessus, ce que l'on perd en télétravail, c'est la machine à café. Vous savez, c'est le moment où allez, c'est la pause clope, c'est là où s'échangent beaucoup d'infos, des infos pro et des infos perso. C'est de la sociabilisation, ça met de l'huile dans les rouages, d'accord? Et c'est vrai que ben, en télétravail, cette dimension-là, on la perd, mais il y a une manière de pouvoir la recréer, ben, c'est d'avoir de temps en temps, de manière impromptue, entre collègues, eh bien, on s'interpelle sur quelque chose, sur la dernière victoire brillante du PSG contre le Bayern à la Coupe d'Europe, à la Ligue des Champions, pardon, ou l'inverse, hein, je ne sais plus. Mais ça Ou le peut Tour de être France actuellement. ou le Tour de France actuellement, merci. Non, mais ce sont vraiment des moments qui mettent du liant. Ça peut être pro, ça peut être perso, mais dans tous les cas, ça contribue à ce sentiment de, je dirais, d'appartenance et on n'est pas tout seul. On est avec les autres. Et dans cette dimension très personnelle, on va voir dans la cinquième bonne pratique qui est très liée à la quatrième. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est très important du point de vue du management. Je demanderai Guillaume d'avancer subtilement à la bonne pratique numéro 5. C'est, eh bien, attention, on est sur une notion, il y a de la vie personnelle, de la vie professionnelle. Donc, il ne s'agit pas d'aller connaître tous les coulisses de l'exploit de l'appartement, de la maison de chacun ou du hall d'hôtel dans lequel il est. Mais c'est intéressant, en tout cas du point de vue du manager, de pouvoir comprendre aussi quel est l'environnement, quelles sont les contraintes. Ce n'est pas la même chose quand on est en télétravail dans 30 mètres carrés, ce qui est arrivé à beaucoup de jeunes Parisiens cette année, plutôt que d'être dans une maison sympathique à 50 km de Paris où j'ai tout un espace pour télétravailler. Ça induit des manières de travailler, des éléments de stress différents.
Et c'est intéressant d'avoir un peu plus de compréhension, je dirais, de l'environnement de chacun. Et une des choses qui nous semble intéressante, et ça on l'a vu faire, et vraiment je trouve qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans, c'est en tant que manager, indépendamment du travail en cours, du travail d'équipe, des rituels, des routines, des réunions, c'est de faire une fois de temps en temps un entretien un peu à bâton rompu, très personnel, avec vos différents collaborateurs, un par un. Quelque chose, un peu un échange impromptu, très humain. Il peut parler, aborder les choses pro, les choses perso, les choses un petit peu entre les deux, mais c'est d'avoir, au-delà du côté froid des choses, aussi un lien personnel. Donc, n'oublions jamais qu'on est tous des êtres humains. Ce n'est pas facile de s'approprier ce nouvel espace, mais en vérité, il faut juste recréer des nouveaux repères. Et à partir d'un certain moment, ça devient du normal, la charge mentale diminue et on peut vraiment beaucoup mieux libérer son énergie. Et pour la performance et pour le bien-être de chacun. Parce que c'est vraiment dans notre esprit, il y a deux termes dans l'équation, il y a deux valeurs à retirer du télétravail. Un, c'est permettre la performance de l'entreprise. Et aujourd'hui, si je voulais être un peu dramatique, c'est permettre la résilience. Il y a des entreprises, si elles n'avaient pas télétravaillé, n'auraient pas pu survivre. Donc, il y a un vrai enjeu de survie et de performance. Et d'un autre côté, de prise en compte des collaborateurs, parce que ce sont eux qui font avancer le bateau. Donc, voilà. On aurait pu, il y a bien sûr d'autres, mais les cinq bonnes pratiques les plus évidentes et que je dirais que je recommanderais sans limite à chacun d'entre nous, c'est de se les approprier et de les transformer en tant que manager, soit, je dirais, en tant que des routines. Et ce qui va permettre derrière de diffuser une notion et de performance et de bien-être autour du télétravail. Voilà les cinq bonnes pratiques qu'on s'est proposé de partager avec Guillaume autour du télétravail. Merci beaucoup Emmanuel. C'est vrai que là, on a évoqué cinq outils, cinq bonnes pratiques faciles à mettre en place, uniquement centrées sur l'humain. On n'a pas parlé de techno, on n'a pas parlé d'outils. On a aussi plein d'autres propositions de bonnes pratiques. Aujourd'hui, on a, on va dire, 10 à 10 grandes pratiques qu'on veut mettre en avant, qu'on pense qui sont les socles de base pour pouvoir mettre en bonne démarche de télétravail. Mais cette démarche de télétravail, elle implique aussi plein d'autres questions, c'est le type d'équipement, comment je forme mes collaborateurs, ce sont les nouveaux équipements qu'ils vont utiliser, comment je partage le savoir, on l'a évoqué, comment on partage un dossier, tout bêtement, on travaille tous sur le même dossier, comment on fait pour le partager. Donc, cette notion de travail, on s'est concentré beaucoup sur le management, mais nous, on fait partie du groupe NVL et on le sait avec le groupe qu'il y a d'autres éléments. Il y a l'humain qui est au cœur de cette machine, il y a toute une machinerie à mettre en place et tout un tas de process qui sont aussi à discuter avec les équipes. C'est pour ça qu'on parlait de ce point numéro 1 qui est le point clé et c'est de lui qui va découler tous les autres éléments qui vont aller derrière. Ce que je vous propose là maintenant, c'est que si vous avez des questions, avec Emmanuel, nous sommes disponibles pour pouvoir y répondre. En attendant, je vous présente les prochains webinaires que nous allons avoir. Nous allons travailler sur le micro-learning sur le septembre. En octobre, sur la mesure des connaissances et des compétences des collaborateurs. En novembre, sur la notion de bien-être personnel et bien-être au travail, ce qui rejoint un petit peu la discussion qu'on avait sur la notion de télétravail. Novembre aussi, la notion de innovation et design thinking, comment sortir du cadre et aller beaucoup plus loin. Et ensuite, comment on évalue aussi les connaissances des collaborateurs. Voilà. Je vous ai laissé quelques secondes pour réfléchir à vos questions. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions sur le télétravail ou des retours d'expérience que vous avez pu faire? C'est la première qui est toujours très dure. Alors, je vais faire une petite intervention complémentaire, hein, par rapport à ce que tu disais, Guillaume, et ça peut aussi susciter des questions. En effet, on a axé ce webinaire autour de management et de bonnes pratiques. Sous-tendu, il y a des questions de logistique, d'outils, des notions d'outils collaboratifs. Et on voit aujourd'hui, avec cette diffusion du télétravail, une panoplie d'outils collaboratifs qui aident, qui renforcent et qui permettent de rendre plus puissant et plus efficace le télétravail. On parle des outils digitaux autour du collaboratif,
un partage de connaissances, création en commun de connaissances. Et en effet, à ce moment-là, on revient vers des notions où les gens ont besoin de se former, et c'est des choses beaucoup plus classiques, puisque ce sont des outils à maîtriser. Mais les outils ne sont que le support d'une démarche. Et l'équation que le télétravail questionne, c'est l'équation de la confiance et de la collaboration dans l'équipe. Donc ça va au-delà de juste un zoom. Oui, vas-y, vas-y. Oui, tout à fait. Et justement, j'ai Madame Dussoulier qui rebondit là-dessus. Madame Dussoulier, je vais vous ouvrir votre micro. Je vous propose. Alors, j'essaye de vous ouvrir le micro. Et bien sûr, c'est les joies de la technique. Ou alors, vous pouvez peut-être utiliser le chat pour poser la question. Sur le micro. Alors, j'ai Madame Dussoulier qui propose les notions des outils de chat sont d'une bonne efficacité. Et j'ai Monsieur Pribat, excusez-moi si je prononce mal les noms, qui évoque aussi la problématique de l'appétence digitale des collaborateurs, ce qu'on appelle, ce qui définit comme un niveau technique minimum. Et le rendement, du coup, pour le télétravail, pour le collaborateur qui n'a pas l'habitude de travailler avec l'outil digital. Voilà. Alors, Emmanuel. Emmanuel, je t'ai perdu. Ah. Alors, je viens de perdre Emmanuel, mon intervenant. Hop là. Voilà, ça devrait être Voilà, bon voilà. là-dessus. Ok, bien. Je reviens en effet sur les deux questions là qui sont posées. L'appétence, en fait, comment les collaborateurs réagissent par rapport à tout ça? Il y a une chose, beaucoup de gens se sont dit, bah, finalement, ce sera les nouvelles générations qui vont être plus appétentes à utiliser les outils de télétravail et les outils collaboratifs. Eh bien, dans la réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une question de génération. C'est une question de, je dirais, de comportement, d'usage et d'environnement. Certains des outils sont évidents. On sait tous, tout le monde sait utiliser WhatsApp ou Messenger, toutes ces choses-là. Ben, en fait, beaucoup de ces outils ne sont pas plus compliqués que cela. C'est simplement l'usage que l'on en fait, le pourquoi on le fait et de quelle façon on va gérer la communication. Mais il y a des outils qui peuvent aller beaucoup plus loin et il y a clairement un accompagnement des utilisateurs à faire, et on travaille sur des ateliers là-dessus, au travers d'un certain nombre d'activités qui permettent aux gens de s'approprier ces outils. Si on ne les accompagne pas, on crée une barrière. Si les gens n'ont pas une bonne bande passante, ils ne peuvent pas participer. Si les gens n'ont pas un bon siège de bureau, ils ne peuvent pas participer. S'ils ne savent pas utiliser les outils, ils ne peuvent pas participer. Or, le télétravail doit être inclusif. Donc, il y a une vraie question de quels sont les outils que l'on veut utiliser? Il y en a une foison. On ne va pas tout utiliser d'un coup. Il faut identifier les usages prioritaires. Est-ce que c'est la communication en permanence avec des outils comme Slack qui permettent de la conversation en parallèle? Est-ce que ce sont des outils de partage de documents? Mais vous prenez la suite Google Doc. C'est un outil qui permet de faire du télétravail et du partage de documents. Donc ça peut être aussi simple et on peut aller beaucoup plus loin. Donc, mais clairement, il y a une vraie prise en compte. Ça ne se plaque pas et ça ne s'impose pas. Ça se construit avec les collaborateurs, et en termes de management et d'organisation, et en termes de formation. Alors, je crois que Madame Dussoulier a retrouvé son micro. Est-ce que vous pouvez essayer de peut-être poser une question ou intervenir, Gaëlle? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien. Allô? Oui, oui, oui. Oui, on vous entend très bien. Oui, non, pour rebondir, effectivement, je témoignais un petit peu de la pertinence de ces bonnes pratiques. J'ai, pendant le confinement, eu affaire à la mise en place de télétravail forcé, comme beaucoup, avec beaucoup de personnes à coordonner et à faire travailler ensemble, et des personnes qui ne se connaissaient pas forcément. Et en fait, il se trouve que pendant cette période de confinement, on avait, juste avant le confinement, mis en place un chat
pour l'équipe. Et pendant le confinement, ce chat a pris une grosse ampleur, à la fois pour transmettre des informations officielles, je dirais importantes, en canaux multiples, mais aussi pour pouvoir répondre à des questions spontanées pendant la journée. Et finalement, pour créer l'esprit d'équipe informel quelque part qui manquait et qui était peut-être moins facile à faire quand on était ensemble au bureau, parce qu'en fait, on était ensemble, mais pas tous ensemble au même endroit. Et du coup, le fait d'être tous à distance, ça a quand même permis de développer cet esprit d'équipe qui est si important, qui s'est développé un peu plus naturellement par le chat, hein, sur tout ce qui est communication informelle. Ça a permis aussi, d'après les retours, de libérer, entre guillemets, la parole de certaines personnes un peu timides qui n'osaient pas trop s'exprimer en réunion devant tout le monde, mais qui le faisaient plus facilement via le chat et qui pouvaient donc solliciter le support et l'expérience des autres membres de l'équipe beaucoup plus facilement. Ok, c'est ça, c'est très intéressant. Merci D'abord, pour votre retour. merci pour ce retour, parce que il y a trois choses que vous dites qu'on a vraiment beaucoup retrouvées. Hein? Première chose, on est passé en télétravail forcé. Oui, on s'est tous retrouvés obligés, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Donc, ça a eu un petit effet un peu traumatisant. Or, l'idée, c'est de dédramatiser. C'est vrai que les taux de télétravail avant la COVID et les taux de télétravail après la COVID ne sont pas les mêmes. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, on va revenir en arrière. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière parce qu'il y a un vrai bénéfice à utiliser ces outils de télétravail, même dans un contexte de nouvelle normalité. Donc, télétravail forcé, autant se préparer. Parce que ça soit pour des raisons X ou Y, d'interruption de service, la météo, un tremblement de terre, peu importe, eh bien, il faut être un peu rodé à l'exercice. D'accord. Deuxième chose, si je comprends bien, c'est une société où il y a pas mal de collaborateurs, puisque vous avez dit, c'était nombreux, donc il y a une nécessité de se coordonner. Oui, il y a vraiment et se coordonner, ce n'est pas un plan d'ensemble, c'est vraiment équipe par équipe que cela doit se jouer. C'est pour ça que les cinq bonnes pratiques hein, qu'on a mis en avant aujourd'hui viennent de cette compréhension, c'est véritablement au niveau des équipes que ça doit se passer. Et la troisième chose, et celle-là, je l'aime beaucoup aussi, c'est on a appris à se connaître. C'est-à-dire que, somme toute, quand certains nous disent le télétravail, ça détruit l'humain, d'autres vous disent non, non, ça crée du lien aussi. Et c'est juste, le plus on se l'approprie, le mieux ça va. Et pour boutade, je dirais, moi, j'ai fait beaucoup de téléfamille pendant la COVID. Ma mère, qui a un âge fort respectable, hein, plus de 80 ans, eh bien, est devenue une adepte de Zoom parce qu'elle était chez elle. Vous savez quoi? La fonction crée l'organe, elle avait besoin, et bien elle est devenue une adepte de Zoom. Je ne vous dis pas qu'au début, ça a été facile. Mais après, compte tenu du fait que ça lui résolvait un problème, et bien elle l'a acquis. Et je dirais presque à la limite, à la fin, elle a dit, somme toute, moi, ce confinement, ça a été une expérience. Je trouve ça sympathique comme idée. Alors, excusez-moi de vous parler de ma famille, mais je fais une analogie très simple avec le monde de l'entreprise. Ok, merci beaucoup Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Monsieur Pribat qui voulait intervenir pour la notion de compétence des collaborateurs par rapport à la problématique des outils. Je vous ai ouvert le micro, Monsieur Pribat, si vous voulez prendre la parole. Vous êtes encore avec nous. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est juste une expérience. Alors moi, je travaille au service informatique, donc j'ai plutôt mis en place le télétravail pour mes collaborateurs. J'ai une expérience, bon, comme tout le monde, on l'a fait un peu dans l'urgence, on n'était pas préparé, ça a été accéléré. Mais je voudrais revenir sur, voilà, sur deux niveaux. Il y a un niveau technique pour moi qui est indispensable. Il faut que l'utilisateur, le collaborateur, soit suffisamment à l'aise avec l'informatique, sache s'installer son Wi-Fi chez lui, sache faire la différence entre un mot de passe Windows ou un mot de passe d'un certain logiciel. Bon. On a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de ce style-là parce que les personnes ne sont pas, voilà, n'ont pas ce niveau-là. Et ça, on peut les former. Par contre, il y a un niveau aussi des prérequis techniques dont ils sont victimes. Quelqu'un qui n'a pas suffisamment de débit ou voilà, qui, pour moi, il y a quand même des conditions préalables au télétravail que la direction ne voit pas forcément. Et pour moi, aujourd'hui, on a des personnes qui vont peut-être faire leurs 7 heures de télétravail, mais
équivalent au bureau, ça sera peut-être, ça aurait été fait en 3-4 heures au bureau, quoi. Donc il y a quand même une perte de performance qui ne sont pas du fait du collaborateur, mais qui sont à prendre en compte dans le choix du télétravail. Oui, oui, ben c'est, bien sûr. Alors, il y a deux points là, en effet. Merci aussi pour votre retour. Un, j'imagine que vous avez dû recevoir un paquet d'appels de gens demandant comment ça fonctionnait. Donc vous avez pendant ce moment-là, il y a une formation des personnes à faire et il faut y aller progressivement, c'est sûr. Et c'est quand tout va bien qu'il faut le faire. C'est pas quand on est dans l'urgence. Ça s'anticipe, d'accord. La deuxième chose, en effet, les prérequis techniques. Ben, il y a des gros débats hein, au niveau surtout des grosses entreprises. Est-ce que c'est l'employeur qui doit prendre en charge l'abonnement Internet? Est-ce qu'il doit fournir les outils aux collaborateurs? Il semblerait qu'il y a une vraie logique à le dire. Les Américains font des études, une statistique intéressante. Grosso modo, l'employeur, quand il fait passer les personnes en télétravail, gagne rien qu'en logistique et en infrastructure de l'ordre de 15 000 dollars par an par employé. Ben, une partie de ces dollars, peut-être qu'il faut la remettre à la mise à disposition de ces outils-là pour les employés. C'est ce que j'économise sur l'immobilier, mettons, ou sur un tas de choses, mais il faut que je donne aux gens les moyens de le faire. Et en effet, si on ne le prend pas en compte, on est juste en train de détruire de la valeur et on est en train de démotiver les gens. Et le dernier point sur la productivité, ce qu'ils auraient pu faire en 4 heures au bureau, ils le font en 8 heures chez eux. Oui, on a un peu tous les cas. Ceux qui nous disent « je suis beaucoup plus productif », ceux qui vous disent « je suis moins productif », je ne sais pas s'il y a une vérité qui doit émerger, là encore, à inscrire dans le marbre, mais je peux être plus productif en télétravail si je m'y forme. Et c'est ça la chose, ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas du plug and play. C'est véritablement, il faut que je me pose la question, comment je travaille, comment est-ce que j'organise. C'est pour ça qu'on parle de routine, on parle d'organisation, on parle de rituel sur le reporting, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que sinon, en effet, le télétravail peut être parfaitement contre-productif dans un certain nombre de cas. Donc, il faut pas penser que c'est la solution miracle. Je l'ai pris sur l'étagère, j'ai branché le composant télétravail et boum, j'ai gagné. Quand je m'y et prends pour bien, rebondir cette... on parle de bonnes pratiques. Et il faut vraiment se les approprier et construire sa propre courbe d'apprentissage pour pouvoir être plus productif. Et justement, par rapport à ça, on a eu une question de M. Courriveau qui pose la question, quelle est la bonne pratique au niveau de l'organisation du nombre de jours de télétravail par rapport au temps de travail présentiel dans l'entreprise? Je ne suis pas certain qu'il y ait une bonne réponse. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, vous connaissez cette question. Combien de temps met le canon à refroidir? Et la réponse est un certain temps. Alors, excusez-moi pour la petite boutade, mais je ne sais pas dire s'il y a une recette magique là-dessus. On va prendre des exemples un peu extrêmes. Des entreprises comme Google ont mis des gens 100% en télétravail, mais parce que leur environnement, ceux qu'ils traitent, puisqu'ils traitent de l'information, ils prêtent. Je prends l'exemple de quelque chose comme une société comme Valeo. Alors là, on est dans l'industrie présente sur 15 pays, 15% de la force de travail, principalement au niveau de l'encadrement, pouvait passer en télétravail. Ils y sont passés à un peu plus de 80% dans la plupart des pays. Il y a un seul pays où ça n'a pas marché. Et je ne sais pas pour quelle raison, ils ont étudié ça. Ils ont fait un baromètre, si vous voulez. C'était le Japon. Et au Japon, les gens étaient très rétifs au télétravail. Clairement, ce que l'on voit émerger, c'est un mix subtil télétravail-présentiel, parce qu'on ne remplacera jamais le présentiel. Il a une vraie valeur, il a une vraie valeur humaine et d'efficacité. Et je pense que beaucoup d'entreprises oscillent entre 40 et 60% télétravail ou travail présentiel. Après, ce sont les circonstances qui doivent parler. Donc, il y a pas. Chaque cas est un cas. Et dernier point, donner un autre exemple, une société dans l'univers du luxe, Hermès. Eh bien, tous les gens Hermès travaillent avec des artisans d'art, et c'est 80% de la force de travail. Ce sont des gens qui ne pouvaient pas faire de télétravail. Par contre, toutes les autres fonctions support
pouvait passer 100% en télétravail. Et on a demandé à ces fonctions support de ne pas télétravailler à 100% par solidarité avec ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, sous-entendu le télétravail était un cadeau. Donc vous voyez, chaque contexte est vraiment très particulier et en vérité, ça touche à la culture d'entreprise, indépendamment du process, de l'industrie dans laquelle on est, il y a véritablement une culture d'entreprise. Mais oui, clairement, on va voir émerger des panachages 40-60, 60-40. C'est quelque chose qui ne me surprend pas, enfin qui ne va pas me surprendre dans les temps prochains. Monsieur Corriveau, je vous ai ouvert le micro. Par rapport à ça, chez vous, dans votre structure, chez Décra, qu'est-ce que c'est l'orientation qui est envisagée? Oui, bonjour à tous. Alors en fait, donc moi je gère le service informatique, donc le télétravail était plutôt mis sur ce service-là et tout ce qui est, on va dire, les services back-office pendant la pandémie. Donc c'est vrai que nos équipes sont dotées, il y avait tout ce qu'il fallait techniquement, hein, tout ce qui est VPN, tout ce qui est outils de partage dont vous avez évoqué. Un concurrent à Slack, Teams, pour ne pas le citer. Donc voilà, je dirais que tous nos collaborateurs ont été formés et ont été à l'aise par rapport à cela. Moi, ma question, en effet, elle était, si vous voulez, on a un retour d'expérience parce que les développeurs, par exemple, disent qu'ils ont été plus performants sur certains aspects que s'ils venaient au travail parce qu'ils ont été concentrés sur leurs tâches, alors que ben, au bureau, ils sont sollicités par des appels d'utilisateurs qui peuvent les déranger, entre guillemets. Donc, ils ont trouvé ce principe plutôt positif. D'un autre côté, certains craignent du problème de la sociabilisation que vous avez évoqué et qu'il faut justement, avec les outils, ne pas le perdre. Donc c'est pour ça ma question, c'était, je sens pas encore notre société, si vous voulez, basculer dans du télétravail total, même sur certains services que je vous ai évoqués, mais par contre peut-être réfléchir à du télétravail partiel. Et donc d'où ma question, quelle est la bonne balance? On est prêt techniquement, on a été formé sur certains aspects, vos pratiques peuvent être très intéressantes. C'était en effet pour certaines typologies de services comme le nôtre, qui s'y prête. Une semaine idéale serait 2 jours en télétravail et 3 jours au bureau, ou plutôt 3 jours en télétravail ou deux au bureau, ou tout simplement une semaine complète au télétravail et la semaine suivante au bureau. C'est là, je dirais, où je me pose beaucoup de questions aujourd'hui. Merci. Voilà. Et, non, mais juste pour revenir, ben, c'est un sujet de réflexion. Les schémas 3-2-2-3 que l'on voit dans le monde principalement du tertiaire fonctionnent bien. Les gens qui sont par définition nomades, les commerciaux, les intervenants techniques, des experts d'assurance, ces choses-là, bah, eux, c'est 90% ou 80% en télétravail et en nomadisme, hein, ce qui est une dimension supplémentaire. Le fait de faire une semaine, ça, pour le coup, je ne l'ai jamais vu. Ou en tout cas, je n'en ai pas eu l'expérience. Je pense que ça doit exister, mais je ne l'ai pas rencontré dans ces derniers mois. Mais le panachage avec un point d'ancrage au moins une fois par semaine au bureau me paraît être quelque chose qui émerge. D'accord? Après, vraiment, hein, je vais être très, très, très prudent. Ça va dépendre du mode d'organisation et au sein de la même entreprise, du type de job. D'accord? Et là, je dirais, les gens des RH auront tendance à privilégier leur présence à eux parce qu'ils sont aussi un point de référence sur les échanges, sur les problèmes, les questions personnelles aussi. Donc, ceux-là privilégieront la présence. Les développeurs, je ne suis pas étonné, les développeurs sont des gens qui rêvent de pouvoir développer sur leur île et pouvoir vous envoyer le code qu'ils ont pondu et puis derrière, gérer les bugs et puis ensuite passer sur le prochain projet. On voit beaucoup ça dans ce type de profession. Merci à vous. Juste pour terminer sur cette question-là, hein, ce qu'on voit vraiment avec le télétravail, c'est que au-delà du mot, on a des hommes et des femmes sur le terrain et on a des outils. Mais vraiment, c'est toute la structure de l'entreprise qui va être changée. Par exemple, on a un grand labo parisien qui a déménagé dans ses locaux, des nouveaux locaux, et qui avait 400 personnes sur site. Et l'objectif a été de passer en télétravail
20 à 30% des gens pour réduire la taille des locaux et avoir une rotation. Donc vraiment un changement de culture. Résultat des courses, le matin, vous avez une course de voitures pour avoir des places dans le parking et des courses de gens dans les couloirs pour pouvoir avoir le petit spot qui va bien pour faire du télétravail. Parce qu'en fait, ils ont laissé beaucoup de la possibilité aux gens d'ouvrir le télétravail et la gestion ne s'est pas faite avec la règle numéro une qu'on a évoquée ensemble, qui sont quelles sont les règles, quel est le planning. Donc c'est aussi assez cocasse à entendre, parce que c'est pas parce que vous êtes une petite structure que vous serez moins bien organisé qu'un grand groupe. Vraiment, les 5 points qu'on vous a évoqués avec Emmanuel sont des points clés et très simples à mettre en place, pour pouvoir vous poser les bonnes questions et définir votre bon périmètre pour ce travail qu'on va appeler distanciel ou en télétravail et ce management. C'est vraiment là-dessus qu'il faut que vous réfléchissiez. Et nous, on accompagne les entreprises à la fois sur la réflexion, mais aussi sur la montée en compétence des collaborateurs et l'outillage. Donc, c'est vraiment tout ce travail sur lequel on peut vous amener notre expérience et notre retour. Et voilà, on espère en tout cas que ce webinaire vous a plu. S'il y a quelques questions de plus, on peut prendre peut-être une question de plus, parce qu'on aura fait près de 45 minutes, je pense. OK. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Vous pourrez réaccéder et reconsulter ce webinaire en ligne sur notre espace Vaelia. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse discuter. Par rapport à cette démarche de télétravail, nous, on va mettre en place des formations en classe en distance et en présentiel sur cette question-là, sous des formats très courts pour les collaborateurs et pour les managers. Ça, c'est déjà l'élément totalement opérationnel. Et ensuite, on travaille sur les différents outils que vous pourriez avoir besoin pour la mise en place de cette démarche de télétravail. Bon, avec Emmanuel, nous vous remercions et vous souhaitons un bon télétravail. Merci.